Bonjour à tous, c'est Barbedousse, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo PVP 1v1 et aujourd'hui on est contre un Yopter qui est en 10, 26, 30, 24 et 27% de résistance avec 4407 points de vie. Du coup, comme d'habitude, quand on n'a rien d'autre à faire au premier tour, on met la petite cavotte avec la double flamiche, hein, histoire de mettre l'état 3 de l'ébène et de maîtrise d'armes. Le Yob va sûrement lancer sa fureur, voilà c'est ça, une petite cavosse, une fureur histoire de précharger. Du coup à mon tour, une petite téléportation histoire de choper une ligne de vue. Et de commencer à taper un petit peu, histoire de lui décharger un ébène déjà. Il va me faire un petit bond et commencer à me taper. Donc petite concentration avec une précipitation et je pense qu'il va claquer sa fureur. Et voilà, une petite accumulation. Accumulation qui fait les mêmes dégâts que la fureur T1 quand même pour 3 PA. Donc, bien sûr c'est après qu'elle va faire un peu plus mal quand même. Donc là on lui colle un petit coup de cac en coup critique à 1450. Donc on a quand même 180 de régène sur ce sort, c'est assez ahurissant. Le petit bouclier Feka histoire d'avoir de la réduction de dégâts parce que quand même on n'est pas très très résistant vu qu'on est en stuff PVM. Avec la réduction du bouclier Feka ça carry bien. Du coup voilà, il va continuer à faire ce qu'il fait de mieux, hein. C'est un Yop, hein. Fonce dans le tas, concentration, fureur. D'ailleurs la fureur qui n'a pas été boostée en dégâts, donc du coup je pense qu'elle se booste plus comme je pensais. Je pensais qu'elle tapait plus fort le tour d'après et encore le tour d'après. Du coup, petite glyphe d'itinérance, une petite libération avec une tension là-dessus. Donc, mauvais choix de ma part pour les sorts. Hein. Je pensais à détacler au début pour la glyphe d'itinérance, mais au final, j'ai préféré libération-tension, histoire de gagner un peu de cases. Mais c'était vraiment mal calculé, puisqu'au final, avec le bond qui peut se déplacer à 6 cases, il avait juste voilà, faire ça, un petit bond, un petit souffle, et puis hop, c'était reparti, quoi. Précipitation, et puis il me mettait tout ce qu'il pouvait. Donc là c'est vraiment passé crème, hein. Heureusement que j'avais encore mes boucliers, qu'il a pas temporisé. Parce que moi j'avais pas spécialement de capacité de heal, s'il suffisait simplement qu'il ait un dococo ou je ne sais quoi, et c'était parti sur une défaite je pense. Et donc on termine ce match avec une petite glyphe d'itinérance et une attaque nuageuse. J'aurais pu aussi bien me mettre le coup de cac, mais ça aurait suffi dans tous les cas. Du coup, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, ça ferait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.